amis internautes, bien le bonjour et bienvenue sur ma petite chaîne En avant les histoires. Avec aujourd'hui une édition spéciale avec une vidéo à l'arrache. Alors à l'arrache, ça ne veut pas dire que Alexis Sédou et moi-même nous sommes partis au Maroc à vos frais. Non, ça veut dire qu'on a pris une vidéo de Julie Couvreur et en quelques minutes, on s'est décidé de faire une vidéo dessus et en quelques jours, on avait déjà débouclé pratiquement tout. Alors, je vais commencer par ma locution latine, comme d'habitude. Fraus omnia corrompit. La fraude entache de nullité tout acte accompli sous son couvert. Donc la chaîne en question, c'est Une autre réalité, la chaîne de Julie Couvreur, une des chaînes. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est comment il peut y avoir une deuxième réalité. Très franchement, enfin en tous les cas, en archéologie, en histoire, c'est pas possible. C'est ou les Égyptiens, ou les Atlantes, ou les aliens, mais ça peut pas être tout en même temps. Et là, toutes les preuves archéologiques amènent à penser que ce sont bien les Égyptiens. Donc Julie Couvreur et sa chaîne Une autre réalité comptabilisent quand même 160 000 abonnés pour seulement 60 vidéos. C'est vraiment, vraiment énorme. Donc la première vidéo date d'il y a 4 ans. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Ça fait même peur en fait, ça fait peur. Enfin, ça montre bien qu'on est dans une société qui va vraiment très mal, quoi. Qui souffre et qui se rattache à du rêve, enfin... Pour eux, c'est du rêve, mais vous allez voir, c'est pas du rêve, c'est horrible. Enfin, vous allez voir. On trouve très peu de photos de Julie Couvreur sur le net. En tous les cas, les peu de photos qu'elle a, ils sont assez sympas. Je trouve que ça crée le mystère, ils sont assez sympas. Alors, faut profiter de ce compliment, parce que c'est un vrai compliment, parce que ça sera le seul de toute la vidéo. La vidéo, ben, y a la voix de Julie Couvreur, peut-être la voix de Julie Couvreur. Je dis peut-être parce que je sais pas, ça fait tellement synthétique. Enfin, y a rien qui ressort, y a aucune humanité, y a pas d'amour de l'archéologie, y a rien. On dirait une voix de traduction Google automatique ou de peut-être une voix d'ascenseur. C'est tristounet, hein, franchement, extrêmement. Enfin, à mon sens, à mon goût, hein, c'est extrêmement triste. Ben, les images, elles sont aussi tristes que la voix, en fait. C'est des images sûrement. Acheter sur le net et ben c'est fade, c'est plat, c'est sans âme, c'est de la téloche, voire en pire, quoi. Alors le contenu de ces vidéos, ben il y a beaucoup de vidéos sur pas mal de sujets. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est bien sûr le sujet archéologique. Donc il y a une vidéo qui s'appelle La vérité dérangeante concernant le sphinx. Hein, la vérité dérangeante concernant le sphinx, c'est aussi la vérité dérangeante concernant la grande pyramide, hein, évidemment. Le retour des dieux, on lit beaucoup le mot dieu sur ces nombreuses vidéos. On lit aussi Jésus. Jésus n'est pas mort sur la croix. L'archéologie censurée, alors moi je vous le dis, j'étais chercheur alternatif, hein, pendant quelques années tout seul chez moi, et après j'ai fait partie de groupes, et j'ai même fait des vidéos, enfin j'ai fait quand même pas mal de vidéos en très peu de temps, et je faisais partie de groupes de gens qui faisaient aussi des vidéos, et jamais on nous a censuré, et jamais j'ai même eu la sensation d'être censuré, enfin, jamais de la vie, quoi. C'est de la propagande, hein. faut pas rêver, hein. C'est juste de la propagande, quoi. C'est... Mon Dieu, quoi. En plus, quand on voit le nombre d'abonnés de Julie Couvreur sur sa chaîne, le nombre d'abonnés d'Oleg Normandie sur sa chaîne, elle est où la censure? Il y aura une censure, je pense que ces chaînes-là seraient censurées en premier. Ils ont énormément de vues, quoi. Énormément de vues, et c'est pas les seuls dans le monde. Il y a aucun contrôle sur Internet. YouTube, tant qu'ils vendent de la pub, ils acceptent toutes les vidéos. Parce qu'il y a des contenus très dangereux pour le cerveau, là. Vous allez voir, pour moi, c'est dangereux pour le cerveau, quoi. Je ne voudrais pas que ma fille voit une vidéo comme ça. Enfin, absolument pas. La prière scientifique, l'art d'obtenir ce qu'on désire. J'ai pas regardé la vidéo. Ils ne sont pas humains. Bon, voilà, c'est tiré de la chaîne Gaïa. C'est des photos, trafiquées. Voilà, le,
Voilà la tête d'origine, on voit bien que les yeux, ils ont mis des yeux style alien, enfin, encore la propagande, hein. C'est vraiment pour vendre, pour vendre de la soupe, quoi. La race des géants, tirée de la chaîne Gaïa, aussi la chaîne Gaïa, je suis allé vite fait, déjà visuellement, on dirait une pharmacie, quand ça arrive, c'est espèce de bleu-vert, tout sain, quoi. Contenu positif et en illimité, en fait c'est de la télé, hein. C'est juste de la télé. Il mélange tout et n'importe quoi pour faire un peu de sous. J'ai même retrouvé Bob, Bob vous dit toute la vérité, il a une série documentaire sur les ovnis du passé, avec un faux hiéroglyphe, avec une soucoupe volante, avec des hiéroglyphes qui sont illisibles. Ah Bob, ça fait des années qu'il fait son beurre avec des mensonges, il a soutenu l'RDP pendant des années, c'est à cause de lui que je suis tombé de la recherche alternative, hein. Enfin à cause de sa chaîne et d'autres. Gaïa, c'est aussi des voyages organisés, des conférences. Et ben Dieu, encore Dieu, avec le Graal. Et Dieu, encore pour finir, la Bible est un grand mensonge. Et l'autre chaîne de Julie Couvreur, elle est en collaboration avec son ami Didier Koyak, qui s'appelle Le Secret. Là, c'est pareil, vous pouvez retrouver assez rapidement des allusions à Jésus ou à Dieu. Donc, sur ces deux chaînes, il y a beaucoup de contenu. Il y a de tout et n'importe quoi, sauf tous les autres, enfin, tous ceux que j'ai connus de près, de très près ou de loin. Voilà, encore les grands absents. Comme quoi, il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs réalités. Enfin, c'est... Julie Couvreur aussi sur sa chaîne fait la publicité. Moi j'ai trouvé deux produits différents. Elle a fait aussi une demande de fonds il n'y a pas longtemps qui vient de se finir pour tourner un film sur les traces des dieux. Oui, encore Dieu. Donc elle a demandé 8000 euros, elle a obtenu 12 345 euros. Donc c'est pas pour payer son voyage, elle dit qu'elle paye elle-même son voyage. À ce prix-là, elle pourrait se prendre le billet d'avion, je pense, sans problème. C'est pour s'acheter du matos photo et vidéo. Alors moi, j'ai été voir sur le net ce qu'a demandé. J'ai trouvé des produits moins chers, de bonne qualité, et en neuf, et en d'occasion. Alors là, beaucoup, en d'occasion, il y a vraiment de quoi faire un film très très correct avec du matos 5, 6, 7 fois moins cher, quoi. Sans problème. Et je suis vraiment un démerdeur parce que j'ai pas une thune. Moi, j'ai vraiment pas une thune. Donc, elle met même une photo du matos pour que les gens rêvent avec elle. Vu le contenu de ces vidéos, je pense qu'un smartphone aurait suffi amplement, même un smartphone bas de gamme. Donc voilà son petit descriptif de son film à venir. Aux quatre coins du globe se dressent les vestiges du passage des dieux sur Terre. Les dieux, ces êtres aux caractéristiques inhabituelles, qui ont bâti des édifices à l'aide de techniques sortant de notre champ de compréhension, laissant derrière eux les traces immémorables de leur passage. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Joli couvreur, comme tout youtubeur professionnel, là, un petit porte-monnaie. Et donc quand j'ai été voir, il y avait 362 euros collectés pour ce mois d'août. Donc voilà, vous l'avez compris, Jolie Couvreur est une youtubeuse qui gagne un peu de sous avec ses vidéos qui sont de la désinformation. Et on apporte la preuve dans quelques minutes. Et c'est parti, je rejoins Alexis, c'est parti mon kiki, bon visionnage. Eh bien, ami public, rebonjour, parce que j'ai déjà dit bonjour dans ma petite introduction que je n'ai pas enregistrée. Donc, du coup, je vous dis bonjour en direct. Alexis, bien le bonjour. Bonjour, salut William. Comment ça va, 10h du mat? Ça va, 10h du mat. Voilà, tout va bien? On ne dit pas où je suis, non. Mais disons que voilà. Non, parce qu'on ne sait pas où t'es parce que tu es tout le temps en voyage. Et voilà. Donc, quand tu n'es pas chez toi, tu es ailleurs. Oui, absolument. Et de toute façon, déjà, quand je suis chez moi, je suis ailleurs. Parce que quand je ne suis pas en France, voilà. Non, mais pour deux mots, ça nous servira peut-être, mais je pars pour les îles Féroze tout à l'heure. Et ça nous donnera peut-être l'occasion de parler un peu de nouveau de l'Aigle de Normandie. Parce que et des sacrés vikings. Et des sacrés vikings, absolument. Voilà.
Très bien, qui a été implanté partout, hein, même en Égypte, hein, d'après c'est lui. Ça, surtout en Égypte et en Amérique du Sud. Voilà. Alors, on ne va pas parler d'Oleg Donomandieu, on va parler de Julie Couvreur. Absolument. On parle de sa chaîne Une autre réalité. Une autre réalité, j'en parle en intro, je ne sais pas comment c'est possible d'avoir une autre réalité. Enfin, bref, la réalité de Julie Couvreur et de ses milliers d'abonnés. Alors, tu m'as envoyé un petit message un jour, tu m'as dit « As-tu vu la dernière vidéo de Julie Couvreur ?» Alors, bien sûr, je te dis non, parce que c'est le genre de truc que je regarde absolument pas, je tiens à ma vie. Et je l'ai quand même regardé, et là, j'ai réagi dans la seconde en disant « Faisons une vidéo vite, vite fait. » Donc, nous avons fait une petite réunion qui a duré vraiment pas très longtemps. On s'est réparti les tâches en quelques secondes. Et on a bossé chacun de notre côté 2 ou 3 jours sur les sources de Julie Couvreur, et on a essayé de retrouver les sources de Julie Couvreur et éventuellement de les confirmer ou de les démonter. Ah, c'est ça, c'est le travail de vérification. C'est ça, hein, le travail en histoire, en archéologie, en histoire de l'art. Hein. C'est que quand quelqu'un a une affirmation, une hypothèse, d'emblée, on ne dit pas elle est fausse, elle est bonne. On dit d'abord, bon, très bien, quelle est son hypothèse, comment je la comprends, comment je la contextualise, bon, et puis quelles sont les sources sur lesquelles elle s'appuie, les sources et les études. Hein, on peut toujours faire la différence. Je crois qu'on sera obligé de revenir, hein, avec Julie Couvreur. Là, elle a les deux, pour le coup, elle a des sources et des études, qu'elle ne cite pas beaucoup quand elle s'appuie sur des études, mais elle a un certain nombre de sources qui sont notamment un certain nombre de textes anciens, notamment des textes égyptiens, puisque la vidéo est consacrée au plateau de Gizeh, au mystère du plateau de Gizeh. Hein. Essentiellement, l'hypothèse, c'est le sphinx était implanté sur le plateau de Gizeh bien avant la construction des pyramides. Ça, c'est la première hypothèse. Et deuxième hypothèse, ce sphinx a des salles secrètes sous la structure elle-même qui contiennent des bibliothèques, appelons-les comme ça, ces bibliothèques ayant les grands savoirs anciens qu'elle appelle les savoirs atlantes. Voilà l'hypothèse qu'elle met en avant. Alors, d'emblée, on va dire que ce n'est pas une hypothèse qui vient d'elle, hein, bon, mais c'est l'hypothèse qu'elle défend de manière claire. Et là-dessus, elle dit, en gros, tous les historiens actuels se trompent parce qu'ils se trompent. Voilà, alors on reviendra dessus parce que c'est bien plus compliqué que ça. Mais moi, je m'appuie sur des textes anciens et ces textes anciens montrent que j'ai raison. Alors, travail qu'on va faire, on va reprendre ces textes anciens, on va les vérifier et on va voir si c'est effectivement une hypothèse qui est valable, qui est sourcée, qui est acceptable ou pas. Alors, on parle de la vidéo qui s'appelle « À l'origine de Gizeh ». Voilà, c'est ça. Alors, c'est l'avant-dernière vidéo qu'elle a mise en ligne. Et moi, ce qui m'a choqué, enfin déjà, ce qui m'a quand j'ai regardé la vidéo, c'est les premières phrases sont, je cite, « Les pyramides et le sphinx sont dépourvus d'inscriptions ». Alors déjà, j'étais, comment dire, estomaqué un peu, parce qu'il y a quand même des pyramides qui sont un peu gavées de textes à l'intérieur et aussi de marques de maçons à l'extérieur. Je pense à Pépi Ier, par exemple. Donc, il est impossible de les dater. Personne ne peut dire avec certitude qui a construit les pyramides. Alors, globalement, ça commence comme ça la vidéo. Autant dire que moi, j'ai 3 ans de lecture pratiquement que sur les pyramides. Et j'étais un peu fou parce que je me demandais qu'est-ce que Julie Couvreur pouvait apporter dans cette vidéo comme source qui démentit toutes les milliers et les milliers de sources qu'il y a sur les pyramides. Parce que, alors, il faut rappeler, les pyramides, ce ne sont pas seulement les pyramides, mais aussi tout le temple funéraire qui est autour. Les temples, les chapelles, et là, il y a quand même pas mal de marques qui sont indéniables. Ce sont bien des pyramides égyptiennes. Oui, très clairement. Alors, déjà, la rhétorique est intéressante parce que c'est une rhétorique comme LRDP. C'est « je passe d'emblée, c'est faux ». D'emblée, c'est je faux. Dis « c'est faux ». Voilà, je dis d'emblée. Alors, je ne vais même pas chercher à aller plus loin. Je dis simplement « il n'y en a pas ». Bon, ce qui, évidemment, est un manque de vérification complet. Hein. Effectivement, comme tu le dis, il y a un grand nombre de marques dans les pyramides, notamment des marques de Carrier, qui montrent l'appartenance de ces pyramides. Il y a, encore une fois, les temples funéraires et des descriptifs extérieurs, puis et des pyramides secondaires qui sont extrêmement, extrêmement intéressantes, hein, dans lesquelles il y a aussi beaucoup, beaucoup de marques avec les familles, les femmes, les enfants, les parents des souverains qui ont été inhumés dans ces pyramides. Donc, elle passe en quelques secondes quelque chose en disant « l'histoire officielle est fausse, moi je vais vous apprendre la vraie histoire hein. », mais elle n'explique pas, elle ne va pas beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se dire « voilà, par exemple, on a quand même retrouvé une marque là, mais moi je considère qu'elle a été rajoutée, rien, c'est juste, il n'y en a pas ».
Alors Voilà, que, évidemment, c'est c'est faux. exactement Hein, ça. Alors, je rappelle, enfin, là c'est le chapitre 1, je vais faire le chapitre 2 sur les glyphes après. Je rappelle aussi qu'il y a des morceaux de momies qui ont été trouvés dans les pyramides, quand même. Et il y en a qui sont datés d'époque, qui ont été datés au carbone 14. C'est la science qui parle. Moi, ce qui me choque vraiment dans ces vidéos, c'est comme tu le dis, c'est qu'il n'y a aucun doute. On ne démonte pas la théorie des égyptologues. On dit c'est faux, point barre, point sans bas. amener aucun contre-argument digne de ce nom. Enfin, comme ils le font tous, en fait. Hein. Absolument. Alors, Alors, ça va au-delà. juste sur les datations, c'est qu'en plus, les datations des pyramides, elles sont très bien connues parce que il faut rappeler que les pyramides ne sont pas entièrement formées de blocs, de pierres, hein, que l'intérieur des pyramides, c'est ce qu'on appelle du blocage. Hein, et là, il suffit d'aller sur le plateau de Gizeh et de regarder les pyramides qui sont éventrées, notamment les secondaires, on les voit très très bien. Bon, et que ce blocage comprend des restes végétaux qui ont été donc emprisonnés à la fin de la pyramide, hein, donc qui datent forcément de juste avant la fin de la pyramide, hein, et qui ont été datés au carbone 14. Bon, et les dates, même chose, elles sont absolument claires. Hein, c'est milieu du troisième millénaire avant notre ère. Hein, donc les dates que l'on connaît par ailleurs, elles sont confirmées par le carbone 14 pour l'ensemble de ces pyramides. Voilà, et on retrouve du plâtre sur toutes les pyramides, même sur la pyramide de Khéops. Il y a des blocs, mais aussi il y a des blocs qui ont été enfoncés entre les blocs pour que ce soit bien joint, parce que ce n'est pas parfait. Hein. Et ils ont jeté un lit de plâtre sur tous les blocs, qui Absolument. s'est infiltré en dessous les blocs, entre les blocs, et ça, c'est datable parce qu'il y a des morceaux de charbon dans ce C'est plâtre. ça, c'est ça, absolument. Donc On on a peut une dater au très bonne. carbone 14. Enfin, il y a un très bon article qui a été publié, hein, sur les deux campagnes de datation carbone 14 du plateau de Gizeh. Hein, on le mettra en description. C'est un article qui est tout à fait clair, hein, sur la question. Et puis, ce n'est pas juste une date par pyramide. Hein. Sur la pyramide de Khéops, il y a plus de 40 prises, taxons qui ont été pris et qui ont été datés. Donc, ils ont été prudents, quoi, dans leur C'est étude. ça. Ouais. C'est pas un ou deux prélèvements. Donc, Madame Julie Couvreur, pendant sa vidéo de 14 minutes, assassine son public par de nombreuses dates, de nombreux noms. On a vraiment l'impression qu'elle est super documentée et qu'effectivement, il y a des preuves indéniables que le Sphinx est bien creux et qu'il y a bien une bibliothèque interstellaire ou je ne sais quoi, parce que ça nous emmène vraiment dans la science-fiction. Donc, nous avons fait le boulot, Alexis, allons-y. Passé quand même beaucoup de temps, j'ai commencé par une des sources de Julie Cooper, qui s'appelle un archéologue qui s'appelle Wallis Bridge, qui est un archéologue américain, qui est un spécialiste des livres des morts. Donc ce monsieur nous dit dans la, enfin Julie Cooper nous dit que ce monsieur dit que le Sphinx était là avant l'époque de Khéphren. Qu'il a été, d'après les Égyptiens, il était là bien avant les premières dynasties. Et il nous dit ça dans un livre qui s'appelle Les dieux des Égyptiens. Donc j'ai. Alors là, c'est vraiment facile. Ça a duré quelques minutes. J'ai téléchargé le livre, évidemment, en anglais, parce qu'il n'existe pas en français. Et je me suis aperçu que ce livre était rempli d'hiéroglyphes. Et en fait, il ne parlait que des livres des morts. Il n'y a pas un instant, enfin, à ma connaissance, j'attends Madame Julie Couvreur, hein, on l'invite bien sûr à venir ramener ses sources pour démentir les nôtres, parce que peut-être qu'on se trompe, hein, encore une fois. Hein. En tous les cas, dans ce livre, c'est rempli d'hiéroglyphes et c'est que des traductions du livre de mort, donc aucun rapport avec le Sphinx. Voilà. Première vérification, déjà, ça a commencé très mal. Après, elle nous parle de la stèle de l'inventaire trouvée par Auguste Mariette. C'était en 1858 sur le plateau Gizeh. Là, je vais te laisser en parler, si tu veux bien. Alors, c'est intéressant. Alors, d'abord, là, on voit la différence entre deux choses. L'archéologue américain Bulch, c'est une étude, c'est pas une source. Hein, le monsieur fait des études. Hein, elle utilise un archéologue très ancien. C'est un archéologue qui a effectivement été renommé à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui aujourd'hui est totalement dépassé. Hein, ses travaux de déchiffrement sont très intéressants et importants. Maintenant, ses conclusions ont été revues depuis très longtemps, hein, parce qu'on a beaucoup plus de sources. C'est le premier élément. La première source qu'elle utilise réellement, c'est effectivement cette stèle dite de l'inventaire, hein, c'est son nom, hein, qui a été donné. Julie Couvreur nous dit, stèle de l'inventaire 26e dynastie, c'est une stèle de la 26e dynastie, mais copiée sur une stèle de la 4e dynastie. Alors, très bien, on vérifie, évidemment.
Il y a une très bonne étude hein, qui a été faite sur la scène d'inventaire, qui est une étude qui était menée par Madame Zvie Cochet, qui est une égyptologue reconnue, hein, actuellement active, hein, donc c'est quelque chose de récent. Hein. L'étude date de 90. Bon, elle a étudié, elle, eh bien, en fait, le mythe d'Isis sur le plateau de Gizeh, hein, au premier millénaire avant notre ère, hein, c'est-à-dire la période de la 26e dynastie. Et elle a un chapitre entier hein, qui est dédié à cette stèle de l'inventaire, et elle montre parfaitement que cette stèle de l'inventaire est une stèle de la 26e dynastie, mais qui ne recopie absolument pas une stèle de la 4e dynastie. Et pour une raison qui est très simple, et ça, tous les spécialistes, tous ceux qui ont travaillé sur l'Égypte le savent quand ils recherchent un petit peu, eh bien, le mythe d'Isis est un mythe qui apparaît tardivement. C'est un mythe qui se développe surtout au Nouvel Empire et pendant la dernière période intermédiaire, donc en gros entre 1500 avant notre ère et puis la mort de Cléopâtre, hein, qui est très peu présent avant, qui commence à être présent sur le plateau de Gizeh. Les premières inscriptions sur Isis, sur le plateau de Gizeh, datent de la 21e dynastie. C'est ça. Bien loin de la 4e dynastie. Hein. On est bien loin, ouais. Et la stèle de l'inventaire, elle est bien une stèle de la 26e dynastie. Alors, que dit cette stèle ? Cette stèle, d'après Julie Couvreur, explique que, encore une fois, les pyramides et le sphinx étaient là avant le règne de Khéops. En fait, la stèle de l'inventaire est une stèle comme la stèle de la famine, qui sont des stèles tardives, qui cherchent à légitimer le pouvoir en place. Les prêtres d'Isis essaient de montrer qu'ils sont là depuis très 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 longtemps, et que donc les souverains doivent leur accorder ce qu'ils demandent. En gros, le contrôle économique du plateau de Gizeh, parce que les temples en Égypte ne sont pas que des lieux de culte, ce sont aussi des entités économiques importantes et fortes. Donc, les prêtres d'Isis ont commis un faux, au sens strict du terme, hein, c'est-à-dire qu'ils ont fait croire que c'était une vieille stèle et qu'en fait, elle dit des choses très anciennes, donc en disant, voilà, bah, déjà avant, on nous donnait le droit d'avoir cette puissance économique sur place, donc vous devez continuer à nous l'accorder. Enfin, c'est un grand classique en histoire, hein, des exemples comme ça, on en a plein. Moi, j'en ai des paquets. Simplement, là, ce qui est très important et étonnant, c'est que Julie Couvreur reprend comme ça, directement en disant c'est une stèle de la 4e dynastie, qui était l'hypothèse de Mariotte en 1858, en 1858, hein, donc c'est quand même il y a très très longtemps, il y a des travaux depuis. Hein, bon. Mais elle le reprend sans l'analyser, sans même essayer de faire une critique de la source, sans par exemple regarder ce qu'il y a des articles plus récents, bon, et elle pique l'ensemble de cette hypothèse à d'autres personnes, parce que ce n'est pas elle qui l'a inventé toute seule, elle est cherchée quelque part, hein, bon, et c'est ça qui est toujours important et problématique, hein, c'est qu'elle va reprendre cette idée de la stèle de l'inventaire en disant c'est une vieille stèle, voilà, et en fait, elle reprend ce que Boval et Hancock écrivent dans un livre dont on a mis la main. Le livre, le titre anglais, c'est « Keeper of the Genesis, A Quest for the Hidden Legacy of the Humankind », en français, publié en 1999, « Le mystère du Grand Sphinx ». Et non seulement elle reprend l'hypothèse comme ça de Hancock et Boval, mais en plus, elle la copie. C'est-à-dire, elle relie quasiment le truc, sans dire que c'est Boval et Hancock. Hein. Aucun moment dans sa vidéo, elle dit « Alors là, j'emprunte à Boval et Hancock cette hypothèse que je pense vraie. Voilà. » Non, non, elle le copie et le balance. Bah, ça, non, ça s'appelle un plagiat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 30 secondes et on va passer le... Donc j'ai demandé à mon ami, bah, comme d'habitude, hein, ma petite Zanzac Vador, de faire la voix avec une lecture neutre de ce passage. Et devant vos yeux, vous allez avoir les extraits du livre. Donc, en lecture, les extraits du livre, à l'écoute, la voix de Julie Couvreur, enfin, l'extrait de la vidéo. On écoute et on se retrouve tout de suite. À dater du 9e siècle, plusieurs chroniqueurs arabes semblent avoir eu accès à une même source d'information. Celle-ci leur a permis de considérer que la Grande Pyramide avait été bâtie avant le déluge afin de protéger un savoir scientifique. On se souvient qu'El Mamoun a fait creuser un tunnel dans la face nord de l'édifice en 820. Le calife était en effet persuadé qu'il allait pénétrer dans un vestige antédiluvien imprégné de secrets de toute science profonde et permettant de transmettre la connaissance de l'histoire et de l'astronomie. Plus précisément, il pensait qu'il découvrirait une chambre secrète recelant des cartes et des sphères terrestres. Dans le même ordre d'idées, on constate que certaines inscriptions et papyrus datant de l'Égypte ancienne, notamment le papyrus d'Ouestkar du musée de Berlin et les textes des sarcophages,
contiennent des affirmations à propos de la chambre des archives, de la salle des inscriptions, qui passent pour être des références à un hypogée aménagé sous le sphinx ou à son voisinage. En outre, certaines légendes coptes évoquent l'existence d'une chambre souterraine creusée sous le sphinx et pourvue d'accès aux trois pyramides. Chaque entrée serait gardée par des statues au pouvoir stupéfiant. Donc vous voyez, c'est pratiquement mot pour mot. Enfin, si ça, c'est pas du plagiat, alors là, moi, ça me fait penser vraiment, plus je cherchais sur ces sources, plus elle me faisait penser à Jacques Grimaud, en fait. Elle pique partout, en fait, sans jamais amener un argument solide. C'est triste parce qu'elle a quand même des milliers d'abonnés, quoi, qui pensent que cette nana est absolument sincère. Alors, en revenant de la stèle de l'inventaire. Déjà, il faut savoir que c'est du granit et qui a été gravé. C'est très moche. Il faut le dire. Oui, ça sent le fake à plein nez, quoi. Vraiment. Non, mais la stèle de l'inventaire, lorsqu'on fait une critique de la stèle, lorsqu'on fait une critique des textes, on fait ce qu'on appelle une critique externe, une critique interne. La critique externe, en gros, c'est la critique du support. Hein. De l'objet en lui-même. Voilà, de l'objet. Évidemment, si vous trouvez un rouleau de papier. Timbré avec des hiéroglyphes, vous dites tout de suite c'est un faux parce qu'il n'y a pas de papier à l'époque. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Là, c'est une stèle en granit, c'est classique, la critique externe ne pose pas de problème. La critique interne, ça veut dire de reprendre le texte et de savoir si ce qui est dit dans le texte est cohérent avec ce qu'on sait de l'époque en question. Voilà. Ici, par exemple, on note très très vite que les mentions qui sont faites au culte d'Isis ne sont pas du tout cohérentes avec ce que l'on sait, ce que l'on sait très bien, hein, sur l'évolution des religions durant toute la période égyptienne, hein, et que, par exemple qu'au 4e dynastie, hein, vers 2600-2500 avant notre ère, hein, le culte d'Isis est très très peu développé en Égypte. Le culte d'Isis et d'Osiris, que tous les pseudo-archéologues mettent en avant en disant voilà, vous voyez, c'est très ancien, etc., c'est des cultes tardifs. C'est des cultes très tardifs. Voilà. Et là, on a effectivement, en critique interne, très rapidement, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc on avance, je vous l'ai dit, on a fait ça très très vite. Au bout de 4 minutes, la vidéo, ça se passe carrément dans la science-fiction. On nous parle de robots, on nous parle de... Vraiment, je comprends que ça fasse rêver les gens, mais il faut regarder ça comme une comédie ou comme un film de science-fiction, mais pas du tout comme un documentaire archéologique. Une autre source, le papyrus Westar. Alors, le papyrus Westar nous dit aussi que dans le papyrus Westar, il est écrit que le sphinx est rempli de pouvoirs secrets. Alors, moi, j'ai lu le papyrus Westar et ce que j'ai lu, je ne sais pas si tu as lu la même chose que moi, mais pour moi, ce sont des contes pour Khéops. Absolument. Tu veux nous expliquer le... Le papyrus Westar, c'est un texte très intéressant. C'est un texte qui date du Moyen Empire, hein, donc bien après la mort de Khufu. Hein. Ce sont effectivement des contes, et ce sont des contes qui ont aussi un objectif de légitimation, ce qu'on appelle de mettre en place une théogamie. Hein. Une théogamie, ça veut dire que on est marié, un personnage est marié ou a eu des enfants avec un dieu. Hein. Évidemment, ça aide à la légitimité. Hein. C'est évidemment, si vous dites que votre fils est effectivement le fils d'Isis, que vous êtes le père, mais que la mère, c'est Isis. Donc, le papyrus Westar, c'est effectivement une série de contes importants qui font apparaître des magiciens. Même chose, la critique interne du texte montre bien que ce sont des textes du Moyen Empire, hein, et qui parlent de magie, etc., mais uniquement parce qu'à des fins de compte. C'est absolument pas un document chronologique ou historique. Alors, j'ai lu les mêmes choses que toi, effectivement. J'ai regardé le papyrus Westar, hein, qui est un papyrus très très intéressant, mais qui en aucun cas ne peut attester de la réalité de ce qu'était le plateau de Gizeh au moment du règne de Khéops. Hein. Surtout qu'il parle très peu de Khéops, en fait, il parle beaucoup plus des enfants de Khéops, hein, parce que c'est en fait un papyrus qui justifie les passages 4, 5, 6e dynastie, hein, qui montre cette théogamie à ce moment-là. Donc là, encore une fois, c'est une source qui n'a rien à voir et qu'elle n'a probablement pas lu. Parce qu'il faut la lire, ou alors il faut relire des études sur le papyrus Westar. Voilà. Bah là, obligatoirement, elle ne l'a pas lu, je veux dire, c'est un conte. Ah oui, c'est ça. Je ne comprends même pas pourquoi elle cite ce papyrus, en fait, parce que ça n'a aucun rapport, en fait. Elle le cite parce que c'est cité par d'autres.
et ne le vérifie pas. Et, la première, et nous, on a vérifié très rapidement. Je veux dire, par rapport aux escarres, c'est quelque chose qui est facile à trouver. Ah là, c'était vite fait, ouais. C'est, il y a même une page Wikipédia qui peut tout expliquer, entre guillemets, pour les gens qui veulent s'arrêter qu'à Wikipédia. Voilà, il y a déjà moyen, quoi. Ouais, nous, on ne s'arrête pas à Wikipédia. Excuse-moi, Alexis. Oui, oui. Nous, on ne s'arrête pas à Wikipédia, on va plus loin. Et oui, bien sûr. On trouve très facilement des articles, des choses solides sur le papier de Wesker. C'est quelque chose de très bien documenté. Ah, je vous rajoutais quand même qu'il y a... Il y a une vraie évolution dans les hiéroglyphes. On n'écrivait pas les hiéroglyphes à la 4e dynastie, on écrit les hiéroglyphes à la 22e dynastie. C'est comme ça aussi qu'on peut suivre dans le temps les écrits sur les murs et enfin partout. On sait qu'il y a un style graphique qui est bien, bien différent. C'est important, je voulais vite le préciser. Ça fait partie de la critique externe. Hein. On a, nous, des exemples. On a retrouvé, par exemple, sur des sources, des pseudo-sources qu'utilise le Normandie, où effectivement, ils utilisent quelque chose qui est écrit dans un script qui n'existe pas à l'époque. C'est ça, qui n'existe pas. Enfin, qui n'existait pas à l'époque. À l'époque. C'est soi-disant écrit. C'est clair, hein, ça va vite. Hein, voilà. C'est des questions de méthode, hein, évidemment qu'on apprend, hein, mais qui sont apprises à tout le monde. Hein, c'est vraiment des méthodes simples, mais qu'on applique à tout. Hein, c'est aussi un truc important, c'est qu'on applique cette méthode-là au texte qui irait dans le sens de notre hypothèse, comme au texte qui n'irait pas dans le sens de notre hypothèse. Parce que c'est sinon, on fait de l'hypercritique, hein, on y reviendra sans doute, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais on applique cette méthode-là. Donc, elle nous parle aussi, on peut enchaîner avec... Je t'en prie. Avec René Guénon, est-ce que tu nous parlais un petit peu de René Guénon? Alors, là, c'est intéressant parce qu'effectivement, en fait, elle dit aimant dans ses vidéos qu'un certain nombre de légendes ou d'hypothèses, notamment mises en avant par des géographes musulmans, hein, notamment Al-Massoudi, sont reprises par René Guénon et que c'est dans un de ses livres hein, qui s'appelle « Le tombeau d'Hermès ». Alors, on est allé voir. Évidemment, c'est toujours la même chose. Hein. On nous dit quelque chose, bah on va vérifier. C'est la base. Bon. Alors d'abord, ce n'est pas un livre, c'est un article. Bon. Ce qui est bien, parce que c'était plus court à lire. Hein. L'article fait 400 pages. Hein. Bon. Il a été publié une première fois en 1936 de mémoire, et il a été republié de manière posthume hein, dans des recueils d'œuvres complètes de René Guénon. Et elle nous dit donc, ben voilà, René Guénon atteste bien qu'Al-Massoudi dit qu'il y a des salles souterraines et des trésors dessous. Eh ben, pas du tout. René Guénon, dans son article, dit absolument pas ça. Alors, René Guénon, hein, c'est une personnalité importante. Hein, c'est un philosophe français, ésotériste hein, français, qui... petit à petit, va rejeter le christianisme, va toucher la théosophie à un moment, va la rejeter, il écrit un livre très très sévère contre la théosophie, va donc également repousser le christianisme, va se convertir à l'islam, va devenir un soufi, hein, et a comme hypothèse hein, qu'il existait une religion primordiale, une tradition primordiale, hein, c'est le thème qu'il emploie. Bon. Cette tradition, il la retrouve beaucoup dans les milieux gnostiques, hein, alors... Rappelons en un mot, hein, la gnose, c'est un mouvement religio-philosophique du monde hellénistique, hein, de la Méditerranée orientale, du 2e, 3e siècle. Hein. Donc voilà, c'est ça ce mouvement-là. Là, on parle de celui-là, parce que la gnose, c'est un peu plus large, mais on parle de ce mouvement-là. Et lui, il parle spécialement de l'hermétisme, hein, donc de tout le mouvement autour de Hermès Trismégiste, hein, donc Hermès trois fois grand. Et le texte en question de René Guénon, c'est un traité hermétique. Ce n'est pas du tout quelque chose sur l'Égypte ancienne. Il n'en parle pas. Il mentionne un coup Ptah, voilà, où il dit, bah oui, Ptah, en fait, c'est Sculape hein, chez les Grecs. Donc, il est dans cette vision hermétiste. Donc, contrairement à ce que dit Julie Couvreur, qui dit, bah, René Guénon confirme ce que je dis, René Guénon ne confirme pas du tout ce qu'elle dit. Il dit totalement autre chose. La même chose, hein. L'article est facile à trouver hein, sur le net. Moi, j'ai trouvé en 5 minutes. J'ai tapé le titre de l'article. Hein. Voilà, je me suis rendu compte que c'était pas un livre d'abord. Et puis voilà. Et en fait, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit "Attends, c'est pas un livre, c'est un article." Hein. Donc j'ai été voir. J'ai lu l'article. Même chose. On vous le mettra en description. Hein, et l'article dit pas la chose. Donc Julie Couvreur utilise un argument d'autorité en disant c'est ça. Le grand René Guénon a dit ça. Sauf qu'elle a pas vérifié ce qu'a dit le grand René Guénon et le grand René Guénon n'a pas dit ce qu'elle affirme. Ouais, mais je me suis dit, franchement, moi, je retrouve exactement les mêmes biais que Jacques Grimaud et Patrice, exactement la même chose. On vérifie rien et on vend de la soupe, bah, pour payer son loyer, quoi. Il n'y a pas tortillé. Enfin, moi, c'est ce que je ressens après, peut-être que je me trompe complètement.
toute façon, elle va venir sur ma petite chaîne vous expliquer tout ça, je pense, hein, parce que je l'invite cordialement. Elle nous parle aussi des légendes coptes. Il y a pas mal de sources musulmanes et autres. Alors, ça c'est là où j'avoue que j'ai pris un grand plaisir parce que, voilà, travailler sur... Ah, tu prends du plaisir à faire ça, toi. Ah, bah, voilà. Ah, bah, bien autre chose. Tu m'as fait plaisir. Tu effaceras ça au montage. Ce qui m'a fait plaisir, c'est d'étudier les sources, c'est chercher les sources. Je comprends bien. Ce qui m'a intéressé, c'est effectivement d'aller vérifier les sources qu'elle utilise. Alors, elle utilise un certain nombre de géographes, appelons-les comme ça pour simplifier, hein, musulmans, hein, en gros trois, hein, Al-Firouzabadi, Al-Masoudi, Al-Mazikri. Bon. Elle les utilise en même temps, et on le verra après, parce qu'elle a inversé l'ordre chronologique dans sa vidéo, avec des sources également antiques. Alors, bah, j'ai été voir, hein, c'est très intéressant de travailler sur ces géographes, hein, qui donnent des points de vue tout à fait remarquables. Alors déjà, elle dit, voilà, c'est encore une fois l'affirmation qu'il y avait des salles souterraines et que ces salles souterraines étaient remplies de trésors, et les géographes musulmans les ont vues. Hein. Ils les ont vues. Bon. Vu. Alors, bah, le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Encore une fois, ce n'est pas vrai. Hein. J'ai repris les trois. Les trois ont été édités. Alors, ce qu'on appelle édité dans un texte, c'est-à-dire que le texte a été repris par des historiens qui ont repris tout le texte, qui ont vérifié l'orthographe et qui ont mis des notes de bas de page en disant, voilà, quand Al-Masoudi dit ça, bah, il se réfère à ça. Quand Al-Masoudi dit ça, et bah, il se réfère à ça. Alors, prenons Al-Masoudi, dont elle nous dit que c'est un copte. Alors là, déjà, moi, j'ai tiqué, hein. Parce qu'il est né à Bagdad. Or, les Coptes, ce sont les chrétiens d'Égypte. Hein, par exemple, il y a des chrétiens à Bagdad. Hein, à l'époque de Al-Masoudi, il n'y a pas de problème, mais ils ne sont pas Coptes. Hein, ils sont plutôt nestoriens. Bon, voilà. Il est musulman, il est sans chiite en plus. Voilà. Donc, c'est vraiment, on n'est pas du tout dans ce monde copte. Bon. En revanche, effectivement, dans le livre de Al-Masoudi, elle ne cite pas très bien, mais le livre en question s'appelle « L'abrégé des merveilles hein. ». Voilà, c'est une espèce d'histoire universelle hein, que Al-Masoudi écrit, et dans lequel Al-Masoudi nous explique, en gros, les histoires anciennes, notamment celles de l'Égypte ancienne, mais avec une lecture purement musulmane et purement biblique. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est mis par Al-Masoudi ne fait absolument pas référence à l'histoire égyptienne telle qu'on la connaît, et pour cause, il n'y a pas accès, lui. Hein, il ne sait pas lire les hiéroglyphes. Bon, voilà. Donc, c'est uniquement cette vision-là. Alors, est-ce que ce livre parle de salles souterraines sous le Sphinx? Eh ben non, encore une fois. Hein, est-ce qu'il parle du Sphinx? Alors, il parle pas vraiment ni du Sphinx, ni des pyramides. Hein. C'est vraiment un livre dans lequel il fait... la seule chose qui soit à peu près vraie dans ce que dit Julie Couvrère, c'est le rapport à des légendes coptes, puisqu'il le dit dans le texte. Hein. Mais... non, le texte ne parle pas du Sphinx, ne parle pas des pyramides, ne parle pas de salles souterraines, ne parle absolument pas de ça. Donc, en fait, juste pour terminer, là, Julie Couvreur reprend à Edgar Cayce ses hypothèses. On y reviendra à la fin, mais point. Bon, voilà. On va reprendre les deux autres sources parce que ça va aller très vite. Hein. Donc, elle cite deux autres sources musulmanes, Al-Firouzabadi et Al-Makrizi. Alors, c'est ça. Commençons par Al-Firouzabadi. Al-Firouzabadi, c'est un Perse. Hein, il est né dans le Fars. Hein. Bon, le Fars, c'est en gros la région d'Isfahan en Iran actuel. Hein. Il a écrit un dictionnaire, hein, Kamus al-Umit, et ce dictionnaire dirait que il y a un temple et des salles secrètes sous le Sphinx. Mais même chose, hein, Al-Firouzabadi ne mentionne pas dans son ouvrage les salles souterraines on a même vraiment on trouve pas de mention, enfin peu de mention du Sphinx. Et là, Julie Couvreur, elle a récupéré deux articles dans un journal qui s'appelle Nexus, hein, cet article des numéros 59 et 60, hein, elle les a recopiés, elle ne les a pas vérifiés. Voilà. Les articles s'appellent « Les prophéties de la Grande Pyramide », voilà, partie 1, partie 2, voilà, et c'est tout, elle n'a pas vérifié. Voilà. C'est tout, c'est vraiment et même chose pour Al-Makrizi, c'est la même source pour elle, c'est-à-dire un article écrit dans un journal Nexus, j'ai retrouvé une partie des articles, hein,
ces articles n'ont aucune référence. Et quand on cherche dans les ouvrages de Al-Firouz Abadi ou de Al-Makrizi, aucune mention de salle souterraine sous le sphinx. Jamais. Non, mais c'est hallucinant parce que il n'y a pas une source. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien qui tient la route. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Non, c'est épouvantable. Épouvantable, épouvantable. C'est épouvantable. Ce qui est vraiment triste, c'est qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos et qui l'adorent. Bien sûr. Et qui sont persuadés qu'elle a raison. Le problème, c'est qu'effectivement, comme elle ne vérifie rien, les gens boivent ses paroles, mais il suffit de vérifier un tout petit peu, encore une fois. Hein. Il suffit parfois de taper ce qu'elle dit intégralement, une citation qu'elle dit, vous le tapez sur la barre de recherche internet, et vous voyez d'où ça vient. C'est des trucs, c'est tout basique, quoi. Enfin, j'arrête pas de le dire, vérifiez tout ce qu'on vous dit, nom de Dieu. Même ce qu'on vous dit à l'instant, vérifiez-le. Bien sûr. En plus, c'est vachement agréable de vérifier. Parce qu'on passe du temps, on lit des choses, on apprend. Moi, j'adore ça, quoi. J'adore ça, vérifier les autres. C'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure sur les sources musulmanes, c'est que la vérification des sources, c'est un travail très amusant. C'est un travail d'enquête policière. Et puis, ça nous apprend. Alors, Al-Masoudi, Al-Firouz Abadi, je les connaissais, hein, parce que j'ai fait une histoire de l'islam. C'est pas ma spécialité, mais bon, voilà, j'en ai fait. Al-Makrizi, je connaissais pas bien, mais c'est ultra marrant d'aller chercher les livres, de les trouver chez Gallica, dans Kardeskinidi, voilà. On peut passer à Pline. Ah, alors là, on va tomber sur les actes. Alors, deuxième, donc, on voit bien, hein, elle a deux sources, Papyrus Wescar et la scène de l'inventaire, on a vu qu'elle, ses sources n'apporteront absolument pas ce qu'elle dit. Ensuite, elle s'appuie sur ses géographes musulmans, même chose. Arrivons aux sources. Alors là, les sources antiques, alors commençons par Pline, évidemment. Hein. Bon, Pline l'Ancien, c'est quelque chose de très intéressant, de très connu. Hein. Je veux dire, c'est une source antique ultra, ultra, ultra connue. Bon, c'est un Romain qui fait un énorme travail de synthèse, ça s'appelle l'histoire naturelle, hein, dans lequel il décrit les animaux, les plantes, les paysages, les pays, les populations, etc. etc. Bon, donc évidemment, on est allé chercher, hein, on retrouve chez Pline l'Ancien, enfin, une mention du sphinx. Voilà. Ouais, Alors, en gros, Pline l'Ancien parle de l'Égypte dans Livre 3, donc il fait une description, et puis il parle de pyramide et sphinx dans le livre 36. Voilà, 36, absolument, 36. Alors, et il nous dit évidemment que Pline raconte qu'il y a des salles souterraines sous le sphinx. Eh bien non, encore une fois, au-devant d'elle, donc des pyramides, est le sphinx, plus admirable peut-être, sur lequel on a gardé le silence, et qui est la divinité locale des habitants. Les habitants pensent que c'est le tombeau du roi Amaïs. Et non pas Armakis, comme le dit Julie Couvreur, et prétendent qu'il a été amené là. Donc en gros, il vient comme ça, il a été apporté. Bon. Mais, nous dit Pline, ce n'est que le roc même travaillé sur place. Et pour le culte, on peint en rouge la face du monstre. Point. Et après, il attaque sur autre chose. Voilà, il décrit la longueur, le circonférence de la tête. Enfin, il n'y a rien du tout, ni sur les passages secrets, ni il n'y a rien en fait. Voilà. Encore une fois. Et le paragraphe d'après, il revient sur la pyramide. Il revient sur la pyramide. Voilà. Donc rien du tout sur les passages secrets du sphinx. Et Pline l'Ancien dit déjà. Voilà. Après, il y a une autre. Elle cite alors, je n'ai pas vu le film. The Mystery of the Sphinx, un film ufologique. Oui. Absolument. Elle en fait un argument d'autorité, encore une fois, hein, sur ce film. Hein. Donc c'est un film. Qui a été publié par la BBC en 93, hein, et pas en 2003 comme elle le dit, donc elle a dû voir. 93. Voilà. Elle a vu la version américaine, hein, qui est 10 ans après, donc déjà aucune recherche dessus. Hein, donc le film est 93, et c'est un film en gros dans lequel les journalistes, hein, qui ont fait l'interview, essaient de confronter les hypothèses de datation du sphinx, de datation géologique du sphinx, avec les hypothèses des égyptologues. Hein, c'est ça, en gros, l'idée. Alors, j'ai vu quelques extraits du documentaire. Bon, c'est un documentaire un peu sensationnaliste, hein, bon, qui a quand même 30 ans, hein, je veux dire, c'est pas tout neuf. Hein, bon, voilà. Dans lequel deux des... des
comment dire, des tenants de la thèse géologique et ancienne du sein, comme Robert Soch et Anthony West, parlent, hein, bon, mais qui ont du mal à convaincre leur public, hein, d'autant que il y a eu un très bon article qui a été écrit par Peter Allen, hein, sur ce documentaire, hein, et il montre par exemple que, bah, Anthony West, il peine un tout petit peu à démontrer ses hypothèses, hein, sur la question géologique, et puis en plus il part dans des directions un peu particulières, hein, puisque par exemple Anthony West dit à un moment dans le documentaire, hein, ben voilà, en fait les Égyptiens déplaçaient des blocs par lévitation sur la pyramide, hein, bon, ça pose un peu problème, voilà, bon. Donc est-ce un appui comme un argument d'autorité, genre la BBC l'a dit, donc c'est vrai, c'est ça. Sauf que ce que dit la BBC, c'est que les hypothèses d'Anthony West sont fausses. Hein, c'est ça qu'il dit, ils sont farfelus. Et on le montre avec d'autres archéologues. Voilà. Donc lui, en fait, il dit que l'érosion autour du Sphinx n'est pas due à l'érosion naturelle du vent et du sable, c'est ça, mais d'une grande pluie déluvienne, enfin de très très grosses pluies. Donc ça daterait le Sphinx de 9000 moins 10000, je crois, à peu près. Voilà, c'est ça. En gros, il y a deux hypothèses qui sont proches. Les deux, Anthony West et Robert Soch, ont la même idée, à savoir le Sphinx est trop haut pour éroder. Et l'érosion ne peut pas être liée simplement au vent et au sable. Alors, il faut savoir que l'érosion éolienne du sable, hein, c'est ultra rapide en réalité. Et ils disent, donc c'est forcément une période très humide. Alors, Anthony West dit c'est les crues du Nil, et il dit les anciennes, les dernières, c'est 10 000, et puis Robert Soch, il dit non, c'est le vent, c'est des pluies de l'Ulienne. C'est des pluies de l'Ulienne, hein. C'est un peu plus tard, mais ça se termine au moins 5 000. Bon. Et ils disent, voilà, ça date le Sphinx. Évidemment, c'est pas très efficace comme technique, parce que par exemple ils ne font pas d'analyse de la roche. Or le plateau de Gizeh a été analysé, le plateau de Gizeh, les archéologues, les géologues ont passé du temps, hein, il y a des chantiers de fouilles absolument partout, donc c'est vraiment un énorme travail qui a été fait, et notamment la roche a été analysée. Il y a très gros travail qui a été fait par deux géologues, hein, Dietrich et Rosemary Klemm, hein, qui sont des géologues allemands qui font partie de l'Institut de géologie de Munich, si je ne dis pas de bêtises, hein, et qui ont travaillé là-dessus. Et ils ont montré notamment que le plateau de Gizeh est un plateau calcaire, pour ça on n'apprend rien, hein, mais que les strates de calcaire sont très irrégulières, certaines sont plus solides que d'autres. Et que donc avoir des stries horizontales sur le Sphinx s'explique très très bien, et ils ont fait des analyses, hein, bien sûr, hein, par justement le fait que les blocs de calcaire sont de solidités différentes. Et c'est d'ailleurs, nous explique monsieur et madame Klemm, hein, ce qui a permis aux anciens égyptiens de construire les pyramides et d'extraire autant de blocs, c'est qu'ils ont repéré, par empirisme évidemment, où étaient les blocs les plus tendres, et donc ils ont su où est-ce qu'ils pouvaient prendre des bons blocs et des dans les carrières. Hein. Donc c'est quelque chose qui est très connu. Et cette démonstration de monsieur et madame Klemm, hein, publiée chez De Gruyter, hein, dans un livre complet sur la géologie de Gizeh, montre bien que les hypothèses de Soch sont fausses, et il le montre d'autant plus que s'il y avait une érosion par l'eau, ben, il n'y a pas que le Sphinx qui aurait été érodé comme ça. Tout aurait été érodé par l'eau. Or, il n'y a que le Sphinx qui le montre comme type d'érosion. C'est un choix de source qui apparaît particulier. Non, mais c'est la routine, ça, Alexis. On choisit un truc qui défend sa théorie et le reste poubelle. Voilà, alors que là, encore une fois, il faut prendre une étude globale sur le plateau de Gizeh. Ce qu'ont fait monsieur et madame Klemm, voilà, qu'on va lire, hein, et qui vont montrer, ben, non, qu'il n'y a pas d'érosion autre que l'érosion éolienne, hein, sur le plateau du Sphinx, et que donc on ne peut pas du tout expliquer que le Sphinx était là avant parce qu'il a été érodé par des pluies plus anciennes. Et surtout, encore une fois, ça met à la poubelle toutes les autres sources qui prouvent qu'elles sont bien égyptiennes. Bien sûr. Et encore une fois, il ne démontre pas que les autres sources sont fausses. Absolument. Il est toujours là, le problème. C'est ce qu'il faut commencer par faire. Hein. Quand on a une meilleure hypothèse qu'un autre, hein, on commence par montrer que l'hypothèse de l'autre, elle est moins solide que la sienne. Voilà. Voilà. Donc, on va aller chercher les sources de la personne que l'on critique, hein. C'est un travail qu'on fait régulièrement, très régulièrement en histoire, hein. Et même on peut le faire en amateur comme moi. Je veux dire, c'est assez simple, hein, encore une fois. Hein. Évidemment, le fait d'avoir fait des études, c'est juste qu'on nous a appris à le faire et qu'on a pu, sous le contrôle de ceux qui savent le faire devant eux. On apprend plus vite. Mais tout le monde peut faire la critique de source. Ouais, puis il y a quand même une logique qu'on n'a pas, il y a un vocabulaire qu'on n'a pas, le vocabulaire
influence quand même la pensée, pour ma part, je trouve. Bien sûr. Donc, y a quand même, on a quand même des on n'a pas toutes les billes, mais il y a quand même moyen, enfin, la preuve, hein, là. Bien sûr. Non, bien sûr, il n'y a aucun problème. Eh bien, écoute, moi, j'ai parlé de Thomas Shaw. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Shaw. Thomas Shaw. Oui. Monseigneur Thomas Shaw. Alors, je vais compter un peu sur l'histoire parce que c'est assez rigolo. C'est amusant. Oui, Thomas Shaw, c'est amusant. Il a fait le travail un peu de l'exposition Bonaparte en Égypte. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il a noté tout ce qu'il avait autour de lui. Donc, c'est un monsieur qui a habité à Alger, qui a fait la route d'Alger jusqu'au mont Sinaï. Pendant 12 ans, et ce monsieur a écrit tout. Alors la bouffe, les végétaux, les animaux, c'est vraiment rigolo, c'est vraiment rigolo, c'est un peu... Bon, à lire, c'est pas gay, parce qu'il parle beaucoup de religion, il y a beaucoup de versets de la Bible, parce que c'est quand même un religieux, et ce monsieur, il n'est pas là pour faire un livre sur la botanique, mais il est quand même là pour trouver la route de l'exode des Hébreux vers le mont Sinaï, j'espère dire pas de bêtises. C'est exactement ça. Voilà. Il n'est pas dans l'optique de savoir si c'est possible, lui, c'est un croyant, il est dans l'optique de savoir par où ils sont passés, point. C'est ça. C'est ça. Il est un peu comme les géographes musulmans dont on parlait, hein. Sa vision, son optique, hein, c'est la Bible. Hein. Au XVIIIe siècle, l'histoire en tant que science n'est pas encore formalisée. Hein. Et la très très grande majorité des gens commencent à avoir quelques doutes à ce moment-là, mais c'est pas beaucoup, hein, c'est quelques intellectuels, c'est que la Bible a raison. C'est ça. Parce que la Bible, c'est vrai, c'est une révélation divine, donc Dieu ne peut pas se tromper, hein, puis il ne peut pas mentir. Hein. Donc ce qui est dans la Bible, c'est vrai. Et donc, il faut le vérifier. Et ce que fait effectivement Mgr Shaw, hein, c'est qu'il part pour vérifier la Bible. Voilà. C'est un travail, bon, il n'est pas le seul à le faire, plein le font. Lui, il le fait de manière très systématique. Hein. Et effectivement, c'est très intéressant parce que ça devient une relation de voyage, hein, tout à fait remarquable, dans lequel il décrit absolument tout ce qu'il voit. Mais j'ai cherché où il parlait du Sphinx et quand il parlait du Sphinx. Voilà. Donc j'ai trouvé, alors il y a eu plusieurs éditions, hein, il faut savoir de ses livres qui s'appellent « Voyage du Monseigneur Shaw de la Barbarie et du Levant d'Alger au Mont Sinaï ». Donc il y a plusieurs éditions, et je crois qu'il y en a trois, et plus les éditions sont récentes, plus il parle de Dieu. Donc il a été assez critiqué, parce qu'en fait à la fin il parlait pratiquement que Dieu, il n'y avait plus trop de rapport avec ce qu'il écrivait dans les autres, la géologie, les gens et tout ça. Donc nous allons l'écouter avec toujours Zanzac Vador. Zanzac Vador, c'est à toi. À vous le studio, à vous. On écoute. Nous devons d'abord remarquer qu'en juillet 1721, les sables étaient si élevés et accumulés autour de lui que nous ne pouvions découvrir que l'arrière, sur lequel, au-dessus de la croupe, il y avait un trou carré, long d'environ 4 pieds et large de 2, si étroitement rempli de sable que nous ne pouvions l'ouvrir assez pour observer s'il avait été conçu à l'origine pour l'admission de produits frais, air, ou, comme le puits de la Grande Pyramide, était destiné à un escalier. Sur sa tête, il y a un autre trou, d'une forme ronde qui, m'a-t-on dit, car nous ne pouvions pas y monter, a 5 pieds ou 10 pieds de profondeur et est assez large pour recevoir une personne bien adulte. Il faudra laisser aux futurs voyageurs le soin de découvrir si ces trous servaient uniquement à transmettre une succession d'air frais dans le corps du sphinx. Donc voilà, après cette lecture, on voit bien qu'en fait, il n'explique rien sur le sphinx de concret, sur les salles secrètes, sur les bibliothèques. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Alexis, mais il n'y a absolument rien de concret, en tous les cas. Rien. Il décrit les trous, mais pas plus. Voilà. Et alors, elle s'appuie sur ce voyageur, puis elle s'appuie sur deux autres voyageurs. Hein. Un Allemand qui s'appelle Hans Leben et un autre Anglais qui s'appelle Verrière, hein, à la même époque. Même chose, hein, moi j'ai retrouvé les textes, hein, ils sont édités, hein, ça se retrouve parfaitement. Hein. Van Sleben, il passe à côté du Sphinx, hein, voilà. Madame Couvreur utilise trois sources, trois voyageurs européens du 17e, 18e siècle, hein, pour nous dire qu'il y a des salles souterraines, pour confirmer c'est son hypothèse de salles souterraines sous le Sphinx, et aucun des trois voyageurs ne confirme ce qu'elle dit. Donc, elle invente quelque chose, elle invente complètement. Alors, la même chose, elle le prendre ailleurs, hein, mais aucune confirmation de l'hypothèse de Madame Couvreur.
Et encore une fois, moi j'ai conseillé à Madame Couvreur de lire des livres un peu plus récents que le 18e siècle. On a quand Oui, même c'est fait. tardif. Putain, c'est comme si. Enfin. Ah oui. Moi, ça m'hallucine en fait, parce que c'est quand même 18e siècle, quoi. Non, mais... Oui. Les récits de voyage du XVIIIe siècle, il faut les voir comme une vision anthropologique et qu'une vision de l'altérité. C'est-à-dire que ce que Shaw nous montre, c'est sa vision du Moyen-Orient et de la Méditerranée, du sud de la Méditerranée à l'époque, hein, et la vision que lui, Européen, chrétien, apporte dessus. Hein. En gros, une société figée, alors que la chrétienté c'est mieux, une société où il y a forcément des bandits partout, ça veut dire que l'État n'est pas là, n'est pas présent, où tout est sale, chez nous c'est C'est propre. ça. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le lire. Alors, et c'est des textes qu'en fait, qui apportent beaucoup plus à ceux qui étudient le XVIIe et XVIIIe siècle, au Moyen-Orient ou en Europe, qu'à ceux qui étudient l'Égypte ancienne, où on a simplement une relation de voyage, où ils voient le sphinx, bon, puis voilà, il passe à côté, quoi. Il dit, voilà, j'ai vu le sphinx, c'est une grande pierre, et hop, je vois autre chose. Et en gros, dans sa tête, il se dit plutôt, bah, est-ce que Dieu est passé par là? Est-ce que Moïse est C'est passé par là ou ça. pas? Point. Voilà. Donc, un site aussi, Richard Pankok. Richard Pankok, j'ai arrêté de chercher, il y a un moment, j'en avais marre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était en concurrence avec Monseigneur Shaw sur cet exode et son C'est ça. machin. Ils ont parcouru la même route, mais ils n'ont pas vu la même chose. Ouais, Et c'est ça. j'ai pas trouvé de ce qu'il a dit sur le Sphinx, en tous les cas. Je J'ai sais pas pas si trouvé. tu as. Ouais, j'ai pas trouvé non plus spécialement Non, sur mais de toute façon, on l'a Pankok. fait à l'arrache, on ne pouvait pas tout non plus. Voilà. Je crois qu'on a déjà pas mal d'éléments. Hein. Ouais, on a vérifié très vite, hein, mis à part Pankok, j'ai à peu près tout regardé, mais on est dans ces récits de voyage qui sont C'est ça. très proches les uns des autres et qui ne confirment pas les phases souterraines. Et après, l'attaque avec du lourd, parce que c'est quand même George Andrew Reisner, donc un archéologue qui a fait du très gros boulot, on peut dire, hein, au 19 et début 20e siècle, dont beaucoup de fouilles sur le plateau de Gizeh. Il a retrouvé les triades de Mykénos, si je m'abuse. Oui, absolument. Entre autres, hein, il a fait des très grandes fouilles, un gros boulot d'archéologue. Je crois que même qu'à l'époque, il était même considéré comme un archéologue moderne, c'est-à-dire Ouais, qu'il ouais, innovait un peu, quoi. Enfin, ouais. il avait une. Reisner, absolument. Reisner, il fait partie avec Flinders Petrie, donc il commence à fouiller avant la Première Guerre mondiale et puis il continue à fouiller dans les années 20 et 30, hein, comme ces archéologues qui commencent à appliquer des méthodes de fouilles C'est un peu ça. systématiques, hein, bon, qui vont être systématisées un peu après, plutôt dans les années 20, mais ils commencent à être assez systématiques. Hein. Ils fouillent effectivement beaucoup le plateau de Gizeh, hein, ça m'intéresse beaucoup. Ces ouvrages, bon, maintenant sont dépassés, encore une fois, hein, les découvertes Non. sont importantes, mais sont assez intéressants à lire. Il y a quelques articles, là, et il y a notamment un article sur le Sphinx, et c'est celle-là qu'elle montre en plus en photo, hein, elle nous dit que ben Reisner, il est rentré à l'Institut du Sphinx. Ouais. Alors on se dit, ben, chouette, on va lire l'article, quoi, c'est intéressant. Bah Bon, oui, j'ai on va faire retrouvé une le lien. visite guidée du 5, c'est génial. Absolument, absolument. Et ben non, dans son article, Reisner ne parle pas du tout d'être rentré dans le Sphinx. Il dit, l'article s'appelle L'énigme du Sphinx, hein, bon voilà, et pour lui, donc ça s'appelle Solving the Riddle of the Sphinx, 1913, hein, voilà, donc résoudre l'énigme du Sphinx, lui ce qu'il résout comme énigme, bah, c'est qu'il attribue le Sphinx à Khéphren. C'est C'est ça. ça, sa résolution. Hein. C'est qu'il dit, voilà, moi j'ai étudié le plateau, hein, j'ai travaillé dessus, j'ai regardé les stratigraphies, j'ai regardé les têtes et puis la forme du Némès, et ben moi j'affirme que le Sphinx c'est Khéfren. Voilà. Donc en fait, il dit tout le contraire de ce que dit. Absolument, 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 absolument. Alors, Je commence à me dire que peut-être qu'elle ment un peu, elle n'est pas ignorante en fait, cette femme-là. Je suis en train de me poser la question là. C'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'elle n'a rien vérifié. Rien du tout. Qu'une vérification de chacune des sources que l'on a faites, hein, on peut citer Hérodote qu'elle passe au détour en disant Hérodote parle du Sphinx. Hérodote ne parle jamais du Sphinx, hein, dans ses ouvrages. Hein, bon, voilà, regardez. Elle n'a absolument rien vérifié. Donc, lorsque l'on travaille sur un sujet et qu'on dit qu'on veut nous apporter des révélations sur l'origine du plateau de Gizeh, puisque c'est ça, hein, ben, le minimum, c'est que si on commence à travailler sur un certain nombre d'études ou de sources, on va les vérifier, on va voir. Hein. Mais le très embêtant ici, c'est qu'elle nous dit, un tel il parle du Sphinx, il n'en parle pas.
Un tel est rentré dans les salles secrètes du Sphinx, il n'est pas rentré. Non, il n'est pas rentré. Ou alors il l'a à peine vu de loin en disant je crois qu'il y a un trou là-haut, je crois qu'il y a. C'est ça, voilà. Alors, ça, c'est un cas. Bon, tous les autres ne le disent pas. Elle nous dit, ensuite, elle dit un tel, c'est un copte, donc il a des sources coptes. Ben non, il n'est pas copte. Alors, oui, il s'appuie sur des manuscrits coptes, mais il ne les cite jamais, ces manuscrits. Donc, est-ce que c'est un effet de style ? On n'en sait rien. Bon. Donc, elle n'a rien vérifié. Et en fait, on s'aperçoit très vite que. Elle a pioché dans 2-3 articles sources qui lui servent de source à elle, hein, qui sont des choses de comment dire de vulgarisation, de survulgarisation. Hein. Donc les deux articles du Nexus, le livre de Beauval et Hancock, ou les travaux d'Edgar Cayce, hein, parce que c'est Edgar Cayce qui met en avant l'idée qu'il y a une bibliothèque Atlante. Voilà, on va y arriver. Et elle a plaqué ça sur une vidéo avec des images. Mais le reste, rien, pas une vérification. Voilà. Après, le problème, tu vois, quand tu tapes, alors je prononce très mal, George Andrews Reisner, c'est ça ? Ouais. Reisner, oui. J'ai vraiment du mal, je suis désolé. Tout de suite, il est associé à ce plan du Sphinx en coupe avec les salles secrètes. Tu vois, il est là le problème. D'où ça vient, cette affiche où on voit le Sphinx en coupe avec des salles secrètes dedans, associé à cet archéologue. Comment ça se fait qu'on peut être là, tu vois ? Oui, le truc, c'est qu'encore une fois, c'est des vérifications qu'il faut faire. Voilà. On prend, alors, bon, moi je n'ai pas une passion de Wikipédia, mais c'est un outil de démarrage. Bon, il y a plein de moyens de vérifier sur Internet. Hein, c'est pas la peine. On peut aller en bibliothèque, c'est encore mieux, hein, mais il y a plein de moyens de vérifier les choses, et il suffit juste d'aller chercher, de passer un peu de temps, voilà ce qui est dit. Reisner, on prend sa fiche Wikipédia en français, sans aller trop loin. Bon, dans la fiche Wikipédia, on ne dit jamais qu'il est allé dans le trou du Sphinx. Moi, toujours avec mes petites réflexions à deux balles, vous me connaissez, hein, je me pose des questions des fois bêtes, mais qui sont pour moi indispensables. Alors, vous avez devant les yeux quelques photos du Sphinx à différentes époques. Là, par exemple, Dominique Vivant-Dénon, qui faisait partie de la campagne d'Égypte avec Bonaparte. Il a emmené 137 savants, je le répète. Pourquoi on n'a aucun écrit d'un seul des savants qui disait « Oh putain, j'ai découvert un truc dans le Sphinx de dingue !» Ouais. Eh ben non. Alors ce monsieur non. Alors je vais vous passer quelques photos. Alors effectivement, il y a des trous. Il y a un trou au-dessus de la tête. Dans le dos, il y en a un sur le flanc droit et il y en a un, à ma connaissance, derrière le Sphinx au niveau de la queue. Alors vous voyez des photos. On voit des photos avec des. Là, il y a carrément une compagnie militaire qui est en train de poser comme des touristes devant le Sphinx. Je me dis, aucun des militaires n'a essayé de monter sur le Sphinx et de désensabler les trous pour rentrer dedans. Il est assez facile de faire un repérage et de dire, tiens, dans 10 ans, quand on sera plus militaire, on revient. Et puis, on revient la nuit. Je parle qu'au 18e ou 17e siècle, il était assez facile d'accéder au Sphinx et de faire à peu près toutes les fouilles qu'on voulait, je pense. Il n'y avait pas la surveillance d'aujourd'hui. Moi, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas un seul chasseur de trésors qui ait fouillé ce Sphinx et qui ait enfin découvert la vérité sur le Sphinx. Je trouve ça hallucinant, avec tous les gens qui sont prêts à tout pour gagner des thunes. Je ne comprends pas. Voilà, vous voyez les photos qui passent devant vos yeux. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens autour du Sphinx. Là, c'est des photos de 1945, où le Sphinx était protégé par une espèce de... Alors, je ne sais pas comment appeler ça, un échafaudage. On avait protégé le Sphinx contre sûrement des projectiles. Donc il y avait une compagnie militaire, on est en 1945, qui était à demeure autour du Sphinx. Il n'y a pas un seul mec qui s'est dit, tiens, si on prenait le Sphinx, encore une fois. Ouais. Non, mais c'est... Je trouve ça aberrant. Alors on a aussi beaucoup de photos de Mark Lehner, on a des photos de Zayawas qui sort du Sphinx, qui rend du Sphinx. Des photos, il y en a plein le net, des photos de ces trappes. Absolument plein le net. Si c'était secret, s'il y avait un pouvoir caché par l'égyptologue, je pense qu'ils enlèveraient du net toute photo avec les trappes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexis. Oui, mais évidemment. C'est logique. Évidemment. Non, et puis, le premier archéologue qui trouve des salles sous le Sphinx, hein, c'est le roi du monde. Hein. Je veux dire, le trésor de Toutankhamon, qui trouve une bibliothèque atlante, hein, je veux dire, le trésor de Toutankhamon à côté, hein, c'est de bas étage. Hein. Le gars, il est invité sur tous les plateaux du monde et puis il peut écrire des bouquins ad vitam aeternam, hein, sur la question. Hein. Et ses enfants et ses petits-enfants. Et ses petits-enfants, oui, absolument. Ouais, non, ouais.
As-tu d'ailleurs, en parlant de sur le terrain, as-tu lu les études de McLennan et de Zayawas sur justement sur ce trou-là? J'ai pas trop compris parce que c'est un peu, pour moi, c'est un peu scientifique entre guillemets. Donc c'est un trou, mais à quoi il servait, je ne sais pas. Non, c'est pas très clair C'est non pas très plus, clair. c'est pas très clair non plus, mais bon, très clairement, c'est pas un accès à des sous-souterraines. Voilà. Ni un accès à des sous-souterraines, ni comme il est dit à un moment, des couloirs qui mèneraient, qui relieraient le Sphinx et la Grande Pyramide. Alors, c'est des choses qui sont exploitées dans la fiction, hein. Je propose à tous de relire, hein, moi j'ai refait Edgar P. Jacobs, Blake et Mortimer, Le secret de la Grande Pyramide, hein. Bon, mais c'est de la fiction. C'est ça. Hein, et alors, pour Edgar P. Jacobs, ça, c'est pas les trésors Atlantes, hein, c'est la dépouille d'Akhenaton, hein, de Amenophis IV Akhenaton. Donc, bon, voilà, toutes les hypothèses sont possibles, mais on a la fiction. Les archéologues qui ont travaillé depuis, je sais pas ce qu'ils disaient, depuis, allez, disons, les années 1800, archéologues, disons 60, un petit peu avant pour les aventuriers, ont parcouru ce plateau et il n'y en a pas un qui a dit, j'ai trouvé des salles secrètes dessous. J'ai des gens comme Weiss qui ont passé du temps autour, s'il avait trouvé des salles, il l'aurait dit, je veux dire. Et à l'époque, il se serait pas gêné. Personne, c'était pas les autorités égyptiennes de l'époque qui l'auraient gêné. Donc, alors on est vraiment dans la croyance la plus totale et dans la mise en avant d'une hypothèse qui, en fait, ne repose sur aucune source de terrain. Ouais, et dans les dans le dans, dans le je pense le trou qui se passe qui a sur le flanc pardon. Mark Lenné dit qu'il a retrouvé une paire de chaussures, il a C'est trouvé ça, du c'est papier ça. aluminium récent. C'est ça, c'est Donc ça ça, veut dire c'est qu'il y a ça. des gens encore aujourd'hui, enfin il y a quelques années, qui est venu peut-être à Cape Sandwich, je ne sais pas quoi, on retrouve un bout de papier C'est aluminium. ça, c'est ça. Encore une fois, c'est encore des gens qui ont dû creuser, qui ont dû chercher quelque chose. Non, mais rien On n'a n'a été rien. trouvé. Rien, rien, rien. Aïe, 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 aïe. Je vous jure. Parlons, bah, encore une des dernières sources, je crois que c'est ou une des dernières, bah, Edgar Cayce. Alors, Edgar Cayce, c'est un personnage qui est assez intéressant, hein, je veux dire, disons, c'est un ésotériste, pour utiliser un terme très général, hein, voilà, américain, qui est mort en 1935, hein, et qui a eu des visions, hein, c'est ça la base des prophéties. Bon. Il les a dans un état second. Bon, voilà. C'est une source. Alors, comme lui ne savait pas écrire, ça a été recopié par d'autres personnes. Hein, bon, voilà, c'est la première chose. Hein, bon, il a monté un certain nombre de groupes, hein, de fraternités, de groupes, hein, dans lesquels il donnait ses révélations. Hein, et en gros, ces révélations, c'est qu'effectivement, il y a un monde très ancien et que ce monde, qui est lié au christianisme, qui est lié à plein de choses, hein, eh bien, il vient de l'Atlantide et que ces Atlantes très sages et très prévoyants hein, ont repéré le déluge, ont caché dans une bibliothèque secrète, sous le Sphinx, c'est ce qu'il dit dans un rêve, tous ces savoirs et toutes ces connaissances, c'est ce que répète Julie Couvreur dans sa vidéo, hein, et qui évidemment ils préviennent d'autres déluges par la suite. Bon, alors C'est un là, peu ce qu'on retrouve dans la révélation des pyramides, en fait. absolument, oui. Il faut savoir que Edgar Cayce s'est utilisé de manière récurrente hein, dans quasiment toute la pseudo-archéologie parce que il coche toutes les cases. Je veux dire, il y a tout. Il y a les Atlantes, il y a l'ésotérisme, il y a les cataclysmes. Je veux dire, il est vraiment dans la totale. Hein. Voilà. Il n'y a pas vraiment la gnose, mais un petit peu quand même. La gnose dans le sens se relier à Dieu et dans le sens système dualiste. Enfin, bon, il y a un certain nombre de choses. Donc, ça coche à peu près toutes les cases. Donc, tout le monde l'utilise. Déjà, dans Le Matin des Magiciens, il est cité Cayce. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très classique. Et en gros, là, Julie Couvreur reprend l'hypothèse de Cayce. Hein, voilà, qu'on retrouve très facilement dans un livre hein, dans lequel on met en place tout ce que Cayce dit. Hein, c'est un livre qui est écrit par deux auteurs hein, et qui s'appelle je suis en train de le trouver, je ne l'ai pas à portée de main immédiatement. Voilà, Dorothée Cochetlin de Bizemont et William Fix, hein, Edgar Cayce, La Grande Pyramide d'Atlantide. Hein, c'est un livre qui, en gros, résume les positions d'Edgar Cayce. Le livre est sorti
dans les en 1990, hein, et on a effectivement tous les éléments que nous donne Jimmy Carter sont en gros dans ce livre. Hein. Alors, donc le monsieur, il avait dit, il faisait des séances de spiritisme à petit comité, hein, des fois avec deux ou trois couples, voilà quoi. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il s'est contredit lui-même. C'est-à-dire que des fois, la bibliothèque, ça s'appelle le tombeau des dossiers, une fois, c'est la salle des dossiers, une fois, c'est la pyramide des dossiers. Enfin, il n'a pas toujours la même vision parce que, du coup, ben, il improvise et il n'improvise pas toujours la même chose, en fait. Absolument, absolument. Donc, absolument. C'est encore une preuve pour moi, une preuve indéniable que c'est, tout ça, c'est, ben, c'est du business, je pense. Alors pour Edgar Cayce, on a très clairement un... Comment l'appeler ? Un médium charismatique, hein, qui... invente un certain nombre de contacts, hein, et qui réussit à réunir autour de lui des gens et qui délivre une croyance. Hein. Des gens de bonne famille, hein. Il va pas faire ça chez le boulanger du quartier, il fait ça quand même chez des gens un peu huppés, quand un peu de pognon quand même. Absolument. Alors, on est dans les années 20, 30, 40, hein, c'est surtout les années 30-40 dans lesquelles il fait tout ça, hein, mais il fait beaucoup, beaucoup de lectures. On est aussi dans un moment où la place de l'ésotérisme est encore assez importante dans certaines parties de la société. Hein. Bon, voilà. Et effectivement, il lance tout ça. Mais aucune de ces hypothèses, hein, qu'il a dans ses visions n'est confirmée derrière par les recherches en histoire en archéologie. Ça. Et là, Cayce, tout ce qui a été vérifié contredit tout ce qu'il a dit. Voilà, fait. C'est ça le problème. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il est... toutes les hypothèses, alors à commencer par celle de la fameuse bibliothèque Atlante cachée sous le Sphinx, hein, tout ce qu'il dit, rien n'est vérifié, absolument rien n'est vérifié. Et évidemment, c'est ça l'essentiel. Hein, le travail scientifique, bah, c'est de vérifier les hypothèses émises par les gens. Alors, que des gens y croient, c'est leur droit, il n'y a aucun problème, hein, c'est pas ça le problème. Le problème qui est derrière, c'est de faire croire aux gens que ce que les visions de Cayce ont une réalité historique, parce que bah, la réalité historique contredit justement ces visions de Cayce. Mmh. C'est l'inverse qui se passe. Voilà. Et c'est ça qui pose problème. Ben oui, ça pose des problèmes parce qu'en fait, c'est on détourne toutes les sources. Voilà. On essaie de prendre ce qui nous intéresse, ouais, alors, et surtout de ne pas parler de ce qui ne rentre pas dans dans notre vision de l'histoire. Absolument. C'est plus dramatique encore parce qu'aucune des sources citées ne vient corroborer l'hypothèse. Ouais. Et les sources qui sont citées disent le contraire. Disent le contraire à chaque fois. Voilà. C'est ça qui est dément. Elle nous donne un tel dit ça, il ne le dit pas. Il le dit un pas. Tel parle de ça, il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Hérodote. Et à l'inverse, là, elle parle de Mark Lehner, par exemple. À l'inverse, elle dit ce qu'il a dit, mais elle dit pas ce qu'il a dit aussi. Alors, par exemple, effectivement, Mark Lehner est arrivé dans les années 70 avec des idées plutôt bien branchées. Hein. Ouais, pour confirmer Cayce. Hein. C'est ça. C'est un aveu Cayce. Il vient lui aussi chercher les fameuses salles. C'est ça. Je n'entendais pas. Hein. Donc il vient avec le bagage, il a lu les lectures de Cayce, il vient confirmer Cayce. Et un peu à l'instar de Flinders Petrie qui vient confirmer Piazzi Smith, hein, bah, il se rend compte sur le terrain que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Et donc, du coup, bah, il devient un des plus grands spécialistes des pyramides d'Égypte. Voilà, c'est ça. C'est ouf, hein. Non, mais c'est fou, comme c'est, je trouve ça génial, c'est génial. C'est intéressant parce que les personnes qui viennent vérifier ce que dit Monsieur Cayce disent l'inverse. Alors, effectivement, Julie Couvreur fait un truc d'argument d'autorité. On se demande d'où elle le sort, où elle dit ah oui, mais Lehner c'était mieux quand il disait avant qu'il croyait à Cayce. Bah oui, mais le problème c'est qu'elle oublie de dire que justement il a vérifié Cayce, il n'est pas arrivé. Non, mais Alexis, on a dit la même chose de moi. Hein. Bah oui, j'étais vachement mieux quand j'étais pyramidio. Je disais pas de conneries quand j'étais pyramidio. Aujourd'hui, je dis que des conneries. C'est bizarre. Hein. Oui, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, et on sait parce qu'on travaille ensemble depuis assez longtemps, tu vérifies. Et quand tu as un doute, bah, tu poses la question. On va là, Mark Lehner, c'est facile. Il le dit face caméra dans des documentaires. Enfin, c'est une information qui est très facile d'accès. Il s'en cache pas, monsieur Mark Lehner. Voilà, ça fait partie de son parcours et il a sûrement beaucoup plus appris de ses erreurs qu'il a appris de ses réussites, parce qu'on apprend ses erreurs, d'abord. Bon. Et voilà, chercheurs en général, chercheurs en histoire en particulier, quand on confronte nos hypothèses aux autres, eh bien,
quand on me dit attention, là vous prenez une mauvaise direction, réfléchissez plutôt à ça, c'est beaucoup plus instructif que de dire écoutez monsieur, votre idée est géniale, voilà, parce que votre idée est géniale, vous allez juste continuer ça. Alors que là vous êtes obligé de vous poser, tiens, pourquoi j'ai fait cette erreur, pourquoi c'est une erreur, pourquoi j'ai fait cette erreur, qu'est-ce que ça m'apporte. Voilà, c'est voilà, un jour, peut-être qu'on parlera du processus de recherche hein, en histoire, mais quand on confronte sa recherche et quand on la met en face de ses pairs, hein, on apprend. Plus quand ils vous disent là vous faites une erreur que quand ils vous disent allez-y quoi, c'est bon. Puis c'est génial moi je trouve ça génial de penser un truc et dire ah bah non j'ai tort. Ouais. Pourquoi j'ai tort? Parce que ça, ah c'est encore plus génial en fait ce que je viens de dire. Absolument. Et voilà, c'est bien triste, c'est bien tristounet je trouve cette vidéo avec le recul. Alors il y a la dernière source puis après on aura fini avec ça. C'est René Adolphe Choiseur de Lubitz. Bon, on en parle alors, légèrement, vite fait. On en a déjà parlé sur le maître. Ouais, tu peux nous rappeler vite fait qui est le personnage. Là, on est aussi dans les ésotéristes français, hein, René Adolphe Choiseur. Sa grande hypothèse, c'est le lien entre les mesures de l'homme et les mesures du temple de Louxor. Hein. Voilà, c'est ça son grand truc. Qui est repris encore aujourd'hui. Qui est encore repris. Ouais. Voilà, alors c'est un passage qui est assez intéressant parce que, d'abord, il a beaucoup... Il restait très longtemps en Égypte, hein, sur les bits, ça, à prendre des mesures. Mais c'est vrai que sa manière de travailler, sa manière de traiter les choses, c'est exactement la manière classique des pseudo-archéologues et historiens. On est là-dedans, que des biais, que des questions métriques. Bon. Alors, il a fait partie, ou il était proche, de tous les groupes qui étaient autour... du groupe Atlantis, hein, donc les groupes qui pensent qu'effectivement ils utilisent l'Atlantéenne, hein, c'est ça leur base. Notamment, il est proche de Charles Funk Elect, donc celui qui fait la pseudo-corrélation entre le maître et la coudée. Il est proche de Jean Fauré, il est proche de tout ça. Jean Fauré le raconte très bien dans un de ses ouvrages. Hein, bon. Ces ouvrages ont connu pas mal de succès à une époque et il est réutilisé tout le temps. Là, elle nous sort Schwer de Lubitz, encore une fois, comme argument d'autorité. En fait, il ne dit pas la même chose, hein, comme, encore une fois, hein, ce n'est pas du tout ce qu'il dit, mais c'est un peu comme Guénon, c'est je prends Schwer de Lubitz, parle de l'érosion du sphinx déjà à une époque. Bon, c'est juste une hypothèse qu'il a, hein, qui a été poussée plus loin par Soch et Anthony West. Hein. Mais voilà, c'est uniquement ça. Elle sort ça de purement d'argument d'autorité. D'argumenter, ouais, c'est ça. C'est tout. Lui, son hypothèse est encore ailleurs, mais là, on est dans le fourre-tout. Hein, dans le millefeuille. C'est ça, hein, je colle Case, Guénon et Schwer de Lubitz. Hein. Je coche trois cases d'ésotéristes hein, qui ont une espèce de valeur emblématique dans les hypothèses de ce type-là. Ouais, et puis les gens qui regardent ces vidéos, je pense que la plupart n'y connaissent pas grand-chose. Du coup, ils prennent ça comme un nom, en disant « Ah oui, c'est un savant » ou « c'est pas quoi ». Donc, on argumente beaucoup. Enfin, on voit bien, il y a une source, il y a 14 minutes et puis il y a 14 ou 15 sources. Donc on va, enfin, de nom, assis des noms pendant. C'est peut-être le but de faire croire que elle a vraiment cherché et qu'elle a une grande connaissance historique. Moi, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Tout à fait. C'est très possible. Je ne sais pas ce que connaissent les gens qui regardent les vidéos, évidemment, mais en tout cas, Guénon, Choiseur de Lubitz et Kay, c'est des noms qu'on a pu entendre, que les gens qui regardent les vidéos ont pu entendre et disent ah oui, ça fait sérieux. Mais effectivement, on est dans le millefeuille argumentatif très clairement là. On est dans une hypothèse qui ne tient pas la route et qu'elle emprunte à des autres personnes. Bon. Surtout dans un manque de vérification qui est absolument hallucinant pour sortir des séries de contre-vérités. On est vraiment dans un degré, enfin, je veux dire, on en parlait au début de cet entretien, on l'a fait rapidement, je ne sais pas, on s'est appelé genre un samedi, le dimanche, j'ai envoyé un mail en disant « mais attends, j'ai trouvé les plagiats ». En quelques heures, on avait trouvé les plagiats. Donc là, on est vraiment... dans du mensonger, au sens strict du terme, hein, vraiment, c'est du mensonge pur, c'est de la création d'ignorance. On invente des sources, on fait croire que c'est vrai, mais en fait, on crée de l'ignorance parce qu'on ne vérifie pas. Et puis, moi, je continue à penser qu'il y a une paresse infinie là-dedans. Je veux dire, c'est des trucs, quand on fait une vidéo,
un minimum, c'est de travailler dessus. Il n'y a pas de travail, c'est des ah, copier-coller. N'en parle pas, Alexis, n'en parle pas les heures que je passe. Non, de, non mais ça me fout un peu les boules, parce que je passe tellement d'heures à tout vérifier, à tout lire, avec un, je le dis, un putain d'handicap, en plus, au sens propre du terme. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour vérifier tout ce que je dis. Et j'ai sûrement dit des bêtises sur mes vidéos, mais j'essaie de faire au mieux tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Bien sûr. Non, non, mais là, on est dans du bête copier-coller qui est vendu comme une connaissance absolue, et surtout comme j'ai raison et les archéologues, ils ont tous tort. Alors, tous, ça fait beaucoup quand même, hein, parce que Ça fait beaucoup, gens qui ont travaillé sur le plateau disaient, je veux dire, s'il y avait vraiment des salles secrètes et que les archéologues le cachaient, la vache, le complot est fort, hein, je sais pas. Non, mais, faut signer, hein, ou un rien qu'un mec comme Weiss, il aurait tout fait pour aller dans. Enfin, je veux dire. Bah, évidemment, évidemment. Et c'est pas que lui, hein, à l'époque, Weissner, c'était tout, comme ça, quoi. Hein. Eisner, ils auraient tous cherché le truc. Bon, alors, soit il faut constater que tout archéologue est stupide, c'est je ne crois pas, hein, je connais un certain nombre et je ne crois vraiment pas. Soit il faut constater qu'il y a un énorme, mais énorme, gigantesque complot d'archéologues, mais alors ça veut dire d'archéologues, de tous les travaux. On en parlera dans une vidéo de. Bien sûr, complot, bien sûr. Parce que c'est ça, abracadabra, ça n'a bien sûr, aucun bien sens. Ah, tous les ouvriers de chantier. Ouais. Non, tous les bénévoles, toutes les associations, tout le monde. Ouais. Alors là, je veux dire, je sais pas. Des milliers de personnes qui devraient mentir. Enfin, si c'est pas voilà. Dizaines de milliers, pardon. Donc, soit c'est un complot, soit ce que dit Mme Schmidt-Coureur est faux. Moi, j'ai pour la troisième hypothèse. Pareil. Surtout après avoir analysé l'ensemble et montré que toutes les sources dont elle se sert n'apportent le début d'un iota de ce qu'elle dit. Et que, pire que ça, elle est truc, elle est transforme. Elle est transforme, elle est truc. Ses vidéos sont vraiment tous très courtes, avec un habillage visuel qu'elle achète sur Internet, des trucs de base, mais absolument de base, et rien qui dépasse. C'est de la téloche, c'est du pré-mâché, j'appelle ça, du pré-mâché. Encore une fois, comme tu dis, moi j'invite très quand elle veut sur ta chaîne, Madame Jukovic à discuter. Hein, je suis tout à fait prêt à discuter avec elle de ses vidéos, hein, uniquement de ses vidéos, hein, évidemment. Hein, bon, voilà. Je vais en regarder d'autres et je vais écrire d'autres articles parce que c'est important et c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Hein, mais évidemment, les autres vidéos que j'ai vues. Équivalente, j'ai regardé notamment celle sur l'Anc, hein. J'étais assez abasourdi par le même niveau d'incompétence, de manque de vérification, donc de mensonge. Et de plagiat, parce qu'elle se plagie elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne réécrit même pas les grands passages, elle les pique comme ils sont, hop, c'est ça, et elle reprend sur deux. Ah non, 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 non. C'est pas possible d'être aussi feignante, c'est pas possible quand même. Voilà, donc voilà. Donc je suis désolé, madame Couvreur, c'est mon sentiment, il n'est peut-être pas vrai, c'est juste mon sentiment. Mais venez en discuter, on connaît vos vidéos, on a vu à peu près quelle était votre bibliographie, parce que vous citez quelques auteurs, hein, on y par exemple, qu'on a aussi lu, bah là, ceux que vous citez là, hein, bon, qu'on a vérifié pour le coup, voilà, on est prêt à en parler. Tu as écrit un article, tu en as profité pour écrire un article, voilà. C'est qu'on va pouvoir le télécharger. Alors, et il sera sur le site de l'ALDA et sur ma page Academia et probablement chez IRNA. Hein, je vais l'envoyer sur les trois. L'article est fait, prêt, fini. Hein. Évidemment, comme toujours, c'est un article dans lequel je cite les études et les sources dont je me sers hein, à chaque fois. Donc, même chose, hein, j'ai pu me tromper. Vous pouvez vérifier. C'est ça. Je marque d'où je tire mes informations. Hein. Donc, évidemment, on peut parfaitement vérifier les choses, et heureusement, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Et dans lequel, effectivement, j'ai repris, comme on l'a fait un petit peu là, hein, les sources utilisées par Mme Couvreur, je les ai analysées, je les ai comparées, étudiées, par rapport à d'autres éléments et d'autres études, hein, et montrées que c'est évident. Donc voilà, Alexis, bah écoute, moi j'en ai fini avec cette vidéo du matin, comme je le dis d'habitude. As-tu quelque chose à rajouter? On voit bien que tout ce qu'on a vérifié, tout est faux. Voilà, voilà. J'ai pas conscience de vérifier, sinon qu'on est vraiment là dans la fabrique du mensonge. Dans la fabrique du... Ce qu'on trouve sur la chaîne de Julie Couvreur et sur sa deuxième chaîne avec son ami Didier Coyac, ne correspond pas à toutes les autres chercheurs alternatifs, encore une fois. Alors, ça, c'est encore un autre problème. C'est qu'évidemment... Oui, mais c'est un gros problème, Alexis. C'est un gros problème. D'accord. Je pense que ça vaudrait une vidéo. C'est évidemment... Elle, en fait, Mme Couvreur, on va analyser plus, mais ce que j'en ai vu, elle recycle.
Elle recycle Ken, elle recycle Charroux, elle recycle Case, elle recycle Mounier Gruet, etc., etc. C'est du pur recyclage. Donc, même elle-même se contredit sur ses propres hypothèses. Hein, elle a des hypothèses différentes. Hein. Schweller de Lubitz, par exemple, il est totalement opposé aux positions de gens qui sont issus de la théosophie. Hein. René Guénon, même chose. Il est contre tout ce qui, tout ce qui est à ce niveau-là. C'est des choses qui donc, c'est incompatible en source. Bon. Les hypothèses de Jean Fauré, donc plus tardives, sont totalement compatibles avec celles de Denken. Enfin, voilà, on a des choses qui sont claires. Hein, pour, déjà, sur la base, il y a des incompatibilités. Et elle défend des points de vue qui sont entre eux incompatibles. Donc, si on faisait une analyse générale, complète de la chose, on trouverait, un peu comme un livre religieux, hein, des incompatibilités, parce qu'en fait, elle sédimente tout sans en fait faire un tri et sans faire un travail d'analyse, parce qu'elle pourrait être d'accord avec une hypothèse, pas d'accord avec d'autres, et le dire clairement. Elle le dit clairement. Voilà. Bon, bref, c'est une youtubeuse en fait. Voilà. Qui fait du buzz, qui fait des vues, gagne un peu de sous avec ça, basta quoi. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher au-delà en fait, malheureusement. Je ne connais pas son modèle économique. En revanche, ce que je sais, c'est qu'elle interdit absolument tout dialogue, hein, puisque tout commentaire qui n'irait pas dans le sens de ses vidéos est irrémédiablement effacé. Hein. Bon, moi, j'ai des commentaires qu'elle laisse la lire si elle les lit, hein, voilà, qui sont invisibles parce que je suis banni de manière totale. Bon, c'est aussi un autre élément, c'est qu'elle n'est pas très ouverte au dialogue. Alors, on l'invite encore une fois à dialoguer, hein, on l'a dit plusieurs fois, hein, mais évidemment, elle n'accepte aucune contradiction. Et elle est vraiment adulée, elle est vraiment encensée de son public, vraiment. Ah, oui. C'est de la géographie. Hein. La géographie, c'est la vie des saints. Hein. Voilà. En gros, la géographie, c'est il est beau, il est grand, il est fort, il a toujours des saints. Voilà. Bon, on est vraiment là-dedans. Le problème qui est là, c'est que du coup, ça coupe tout débat. Alors, c'est un classique. Hein. Voilà. Un article que j'ai toujours pas terminé sur le débat avec les pseudo-archéologues. Hein. Voilà. Parce que je... Mais bon, maintenant, j'ai le temps, je vais pouvoir le terminer. Bon. Le dialogue est coupé, non pas par nous, il est coupé par eux. C'est ça. Sinon, et c'est eux qui prônent la liberté d'expression et ils nous disent à nous, vous êtes des gens qui nous censurent. Voilà. Et si on ne débat pas avec certains, j'ai des noms en tête particuliers, c'est que d'une part, ils se montrent très insultants, d'une part, et d'autre part, qu'un débat, ça ne se fait pas comme ça, on se rend pour petit déjeuner, voilà, ça se prépare, comme on a préparé cette émission, comme on a travaillé. Et donc, évidemment, les hypothèses des uns et des autres sont à confronter dans un débat. Le débat, c'est ça, hein, c'est une disputation, c'est un terme que j'emploie, hein, qui n'est pas une dispute, hein, une disputation, c'est un débat d'arguments, hein, au sens scolastique du terme, et qu'évidemment, chacune des deux parties doit apporter ses éléments et les preuves de ses éléments. Et répondre aux questions. Et répondre aux questions des autres. C'est pas mal, parce que c'est en se posant des questions qu'on arrive à comprendre un truc. Absolument. Ok, on essaie de ne pas faire plus long, sinon je vais avoir plein de montage. On l'arrête. Donc, que dire de plus, rien de plus. Moi, je vous dis, Alexis, je te remercie, comme d'habitude, de venir sur ma petite chaîne en avant les histoires. Chapitre 2, j'ai parlé des pyramides, des marques de maçons et des hiéroglyphes en général sur le chapitre 2, spécialement pour vous, Madame Couvreur. Et que dire, luttons contre les désinformateurs et contre la désinformation, nom de Dieu. Donc, il faut partager cette vidéo, même si vous n'êtes pas convaincu de mes slides, si vous n'êtes pas convaincu de ma gueule, de mes lunettes, parce qu'on me l'a reproché. Oh, t'as une gueule d'acteur, tu ferais mieux de faire du cinéma plutôt que des vidéos sur YouTube, t'es là, putain. Donc même si vous n'êtes pas convaincu du contenu, enfin du contenant, pardon, partagez pour nous aider à lutter contre la désinformation sur Internet, s'il vous plaît. Des petits pouces, des petits commentaires et des partages, s'il vous plaît. Et on répondra aux commentaires comme toujours. Et on répondra si, enfin, tu répondras comme toujours. Merci. À bientôt. Merci encore, William, et à bientôt. À bientôt. Allez, ciao tout le monde. Salut.